Le gouverneur de Gao, Omar Baba Sidibé, qui s'est rendu au quartier général de l'opération Serval, le renforcement de la coopération entre les FAMA, l'administration, la MINUSMA et les forces françaises est placé au cœur de la mission du gouverneur Daouda Ousmane Traoré. C'est à pas de charge que le gouverneur Omar Baba Sidibé a effectué cette visite à la plateforme de l'opération Serval. Après un accueil très symbolique, le chef de l'exécutif régional et sa délégation ont fait le tour des installations françaises dans la cité des Askia. J'avoue que j'ai été très impressionné par ce que j'ai vu. La force Serval est une force de soutien vraiment qui impressionne. Parce qu'avec tout ce qu'ils font, ceux qui sont sur le plan militaire, et même j'ai eu la chance de visiter un hôpital de campagne, qui aide beaucoup une partie des populations et même nos forces chaque fois qu'il y a des besoins. Et j'ai été très impressionné par ce que j'ai vu et surtout, pas seulement impressionné, mais rassuré. Le gouverneur Sidibé n'a pas manqué de dire que les résultats enregistrés dans la sécurisation du Mali sont une synergie d'action des forces de la MINUSMA, de l'opération Serval et des forces armées maliennes. Selon lui, toutes les occasions sont bonnes pour leur rendre hommage. Quant au représentant du commandant en chef de l'opération Serval, il s'est dit très honoré par cette visite. Le but de cette visite, c'était de présenter au gouverneur qui vient d'arriver ce qu'est aujourd'hui la force Serval à Gao. Et plutôt que de parler dans une pièce avec des chiffres, je l'ai invité à venir ici sur notre plateforme à côté de l'aéroport pour lui montrer comment on vit, comment on travaille au quotidien, le quotidien des soldats français ici à Gao. Après cette visite, le gouverneur Omar Baba Sidibé, qui venait pour la première fois à l'opération Serval, se souviendra longtemps de l'engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme au Mali.